On va faire un jeu pour voir comment vous situez votre corps dans l'espace. Levez les deux mains au-dessus de votre tête, comme ceci. Sans regarder, écartez les doigts de votre main gauche le plus possible. Ensuite, pointez l'index de votre main droite en l'air, comme ceci. Puis touchez votre nez et touchez ensuite le bout de chacun des doigts de votre main gauche en touchant votre nez entre chaque doigt. Plutôt simple, non? Vous êtes prêts? Touchez votre nez. Touchez votre pouce gauche. Le bout du nez. Touchez votre index gauche. Le bout du nez. C'est pas trop dur, non? Regardez ce que ça a donné. Et encore, ce n'est que le début. Le bout du nez. Maintenant, l'annulaire. Le nez. L'auriculaire. C'était pas trop dur, non? Pas vraiment. Fermez les yeux. Levez les mains. Écartez vos doigts. Touchez votre nez avec votre index droit. Maintenant, votre pouce gauche. Puis votre nez. Moins vite. Maintenant, votre index. Puis votre nez à nouveau. Vous vous demandez peut-être comment on peut rater un exercice aussi simple. Vous pensez pouvoir faire mieux? D'accord, levez les mains. Je veux que vous fermiez les yeux. Essayez de ne pas bouger votre main gauche. Vous êtes prêts? Ok. Touchez votre nez. Touchez votre pouce gauche. Touchez le bout de votre nez. Puis votre index gauche. Le nez. Le majeur gauche. Ah, déjà moins facile, hein? Ça paraît dingue de ne pas savoir où sont ses doigts. Même après plusieurs minutes, touchez votre index gauche si vous le trouvez. Ah, le voilà. Il faut faire appel à ce que certains considèrent comme un sixième sens. Le nez. Je comprends pas. Le majeur.